député de l'extrême droite exclu pour 15 jours après avoir tenu des propos jugés racistes à l'Assemblée nationale française. Grégoire de Fournasse a lancé en pleine séance, je cite, qu'il retourne en Afrique, s'adressant ainsi aux députés de la France insoumise. Carlos Martins Bilongo, alors qu'il s'exprimait sur le drame de l'immigration clandestine à l'Assemblée nationale lors des séances questions-réponses aux membres du gouvernement. Le député du Rassemblement national parle de manipulation lors de sa dernière sortie, ce qui a créé une vague d'indignation du côté de la France et même au-delà des frontières. C'est qui suscite la thématique de ce jour. La France est-elle raciste? Élément des réponses avec nos panélistes. Bonsoir. Canal 2 est en direct sur la page Facebook, TikTok, Twitter. Il vous suffit tout simplement de taper Canal 2 International avec le logo vert. Le panel est déjà bien constitué sur ce plateau. Je commence par un homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean-Claude Youth Fils. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Lui, je vais l'appeler en revenant. Ça fait longtemps, on ne l'a pas vu sur les plateaux de télévision, encore moins dans les reportages télé. Pourtant, avant, il était un partenaire fidèle du Canal 2 International. Il va nous parler de son infidélité peut-être après l'émission. André-Marie Biboum, président de l'association Afrique 500. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs du Canal 2 International. Vous étiez où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là et je resterai toujours attaché à Canal 2 International, même si j'ai été un peu absent. Notre fidélité sera réglée, effectivement. Voilà. Merci, merci. De toutes les façons, vous regardez Canal 2 International étant bien loin, près du cœur. Naturellement, voilà. Loin des yeux, près du cœur, avec Canal 2 International. Oui. Tout à fait, bienvenue. Jacques-Édouard Beaumo Okogo, c'est sa première dans le débrief de l'actualité de ce soir, inspecteur chargé des affaires sanitaires au commissariat de défense des droits de l'homme au niveau international. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Lille. C'est un plaisir pour moi d'être parmi les panélistes de cette émission. Je salue déjà mes copanélistes et je crois que tout au long de cette émission, nous allons dire des choses qui sont intéressantes, qui pourront édifier et accompagner les populations. Merci. Vos médailles sont où? Parce que vous avez reçu des médailles. Sur l'affiche, on a vu vos médailles. Les médailles sont là. D'accord, je vous taquinais tout simplement. Et on ira tout à l'heure à Yaoundé grâce à Colin Souvontouan retrouver Gaston Kelman. Il est écrivain, il va intervenir justement sur la thématique de ce soir. Alors André, Marie, je commence par vous. Vous avez suivi cette actualité du côté de l'Assemblée nationale française. Un député avec des propos racistes en plein hémicycle. Comment est-ce qu'on apprécie cela? Sacrilège? Naturellement, nous, Africains, avons été, n'est-ce pas, choqués par ces propos. Et ça m'a un peu rappelé l'histoire de notre compatriote, Yannick Noah, lorsqu'il était encore en activité sportive du côté de la France. Mm-hmm. Chaque fois qu'il perdait un match de tennis, on l'appelait le Camerounais Yannick Noah. Et chaque fois qu'il soulevait, n'est-ce pas, une victoire, immédiatement, les médias français n'hésitaient pas à lui coller, n'est-ce pas, cette nationalité française. Donc, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a un problème de fond, et je parlerai même de ce conflit, pour ne pas dire de n'est-ce pas, notre passé historique, qui n'est jamais sorti de nos vies entre les Français et les Camerounais. Et ce qui ressort aujourd'hui, n'est-ce pas, relève tout simplement de cet art qui ne sont jamais sortis de cette mauvaise relation qui, malgré le fait qu'on parle de la France-Afrique, continue, n'est-ce pas, à porter un coup à nos relations. Mmh. La preuve, la sortie de ce député n'est que, n'est-ce pas, un élément qui cache le malaise que vivent nos compatriotes qui sont de ce côté-là.
D'accord, et justement, parler de ce que vivent les Camerounais dans cette partie du pays, notamment à travers le monde, parce qu'il n'est pas question de la France. Vous avez suivi les propos de Jacques Edouard, vous avez suivi les propos de ce député de la France insoumise, Bilongo, qui a dit « Aujourd'hui, on le juge par la couleur de sa peau ». On a senti un peu de regret dans sa voix. Oui, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Donc cela veut dire que chaque être humain, lorsqu'il vient, ou alors lorsqu'il parvient à venir sur cette terre, nous tous nous sommes égaux. Donc il n'y a donc pas lieu d'une certaine sorte de discrimination, que ce soit une discrimination raciale, que ce soit une discrimination politique ou alors une discrimination culturelle. Donc déjà, dans le premier article des droits de l'homme, ou alors de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déjà il y a un hic. Donc je pense que c'est quelque chose que nous allons essayer de revoir dans les minutes qui suivent. Jean-Claude, renvoyer des gens à leur couleur de peau, pourtant je suis né en France, je suis député français, on m'a insulté, moi et toutes les personnes en France qui ont cette couleur de peau, c'est honteux. C'est honteux à l'hémicycle. On s'attendrait à tout, sauf à de pareils propos. C'est honteux, c'est dommageable et c'est regrettable. Mais il faudrait quand même aussi que nous analysions des choses avec un peu plus de recul. Il est député de la République française. Il a été élu par le peuple français, qui est majoritairement constitué de blancs. Donc, est-ce que la France est-elle un pays de racistes? Là, tout de suite, nous disons non, parce que ce sont des blancs qui ont élu ce député de couleur de peau noire. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'en France, il existe des racistes? Nous disons oui. Mais il existe aussi des non-racistes. Est-ce qu'en France, il existe des xénophobes? Nous disons oui, et il existe aussi des non-xénophobes. Est-ce qu'en France, il existe de l'antisémitisme? Oui et non également. Donc, c'est pour dire que ce sont des clivages qui doivent être combattus. Et ces différentes barrières limitatives dans le cadre de l'appartenance ou bien de l'intégration sociétale doivent être combattues parce que les êtres humains sont tous égaux. Donc, il ne faut pas que nous fassions l'amalgame. Ce pays est un pays d'accueil où les Noirs y vivent paisiblement parce qu'en réalité, si on retrouve déjà un Noir à l'Assemblée nationale française, on a connu les Christiane Taubira, bon, vous nous direz qu'elle est des Antilles françaises, ainsi de suite, mais c'est la preuve quand même que le peuple français, de manière globale, n'a pas un problème d'analyse ou bien de vivre ensemble avec quelqu'un d'une origine de peau noire. On peut maintenant commencer à chercher à analyser cette phrase, parce que même l'angle de défense de ce député du Rassemblement national du parti de Mme Marine Le Pen. Il a parlé à la dernière sortie de manipulation et que ses propos ont été sortis du contexte. Oui, parce qu'en fait, la même phrase prise au pluriel n'est pas la même chose par rapport lorsqu'elle est prise au singulier. Qu'il retourne en Afrique. Si c'est qu'il retourne en Afrique au pluriel, nous sommes dans une autre connotation. Sauf que personne ne sait si c'est au pluriel ou c'est... Et justement, c'est... Oui. Mais là où le bureau de l'Assemblée nationale française a bien fait, parce qu'en réalité, pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans des analyses, dans des conjonctures, ils sont sortis une sanction qui est en réalité lourde. Exclusion de 15 jours et retenue de salaire sur 2 mois. Oui. C'est un signal fort, au point où chaque député de l'Assemblée nationale française prendra le temps maintenant par rapport au propos. Est-ce que ce propos pourra-t-il être à connotance ou bien à interprétation de type xénophobe, de type raciste ou bien de type même antisémite ou bien même de type anti-LGBT, ainsi de suite. Donc, nous allons dire que c'est regrettable, c'est dommageable. Mais il y a une évolution quand même par rapport à une certaine époque où on parlait
de l'esclavage, où on parlait de la négritude, de l'indigénat, et tous les noms qui nous ont été, qu'on attribuait à cette race, à cette peau noire. Donc ceci est regrettable, mais il y a de l'évolution quand même. Alors André, on parle d'évolution, mais sauf qu'est-ce qu'en 2022, on a besoin de retrouver encore des expressions retournées en Afrique, peu importe à la personne à qui on s'adressait, que ce soit aux immigrés dont on évoquait la situation ou aux députés, même de la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de ça, puisqu'on sait que la population française est composée en majorité des immigrés, soit vous avez un parent immigré. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de sortir encore des expressions pareilles? Effectivement, lorsque c'est un député du peuple qui, n'est-ce pas, se permet de sortir de tels propos, je prends cela très au sérieux parce que je me dis les porte-parole d'un groupe de personnes, d'un groupe de personnes qui véhiculent, n'est-ce pas, une certaine idéologie au niveau de la société politique française. Et donc, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Qu'ils disent même, qu'ils fassent allusion à ces immigrés qui sont en détresse pour qu'on se dise, ok, un député a demandé qu'il retourne en Afrique. Est-ce que c'est cela la défense d'un député et sous quel ton? Alors, ça voudrait tout simplement dire qu'il n'a pas du respect, n'est-ce pas, pour ces personnes qui sont en détresse. Parce que quelle que soit, d'après moi, la situation de ces immigrés en France, il y a au moins ce volet humaniste qu'il faut mettre en jeu. Pour un député de la nation, comme nous aimons les appeler. C'est un député de la nation. Il a été élu par un peuple. Et aujourd'hui, tel que l'a rappelé M. Youth, les Français, c'est qui? C'est la peau blanche, c'est la peau noire. Et lorsque nous regardons la configuration. Et lorsque nous regardons la configuration de l'équipe de France aujourd'hui, et je crois que ces sanctions fortes aujourd'hui ont un lien, n'est-ce pas, avec qui s'annonce dans quelques jours. Parce que s'il n'y a pas une telle sanction forte, nous avons plein d'Africains noirs dans l'équipe de la France. Ça pouvait porter un coup à l'image de la France. Donc je pense qu'il va falloir, n'est-ce pas, qu'on prenne cela au sérieux et qu'on comprenne aussi une chose. Lorsque nous regardons les élections en France, quel est le sujet qui a le plus attiré d'attention? C'est le problème des immigrés français, des immigrés africains en France. Dans la campagne présidentielle, c'est là où ça a opposé les candidats. Effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème de fond avec la situation des Français et des Africains, autant pour moi, et surtout des Africains noirs. Parce que là, il faut bien préciser, des Africains noirs en France. Alors aujourd'hui, selon les dernières nouvelles qui nous viennent de l'Assemblée nationale, il y a toujours que dans les radios de ce côté-là, Grégoire de Faunas parle d'une manipulation, d'un positionnement de la France insoumise qui veut surfer sur ce détail-là pour se faire un nom au soleil. Vous comprenez cette sortie-là, toujours est-il qu'il y a déjà la sanction. Voilà, je vais prendre un élément qui est le schéma de la communication. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe un message, il y a en premier lieu l'émetteur. Donc l'émetteur est du côté gauche, le destinataire ou le récepteur est là, et le message est au milieu, plus haut il y a le contexte. Le député était dans quel contexte? Et en plein, il y a le code. Quel est le code qu'il a utilisé pour véhiculer ce message? Et quel est le contact? Nous nous sommes rendus compte que le contexte, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Une séance de questions au gouvernement. Et maintenant, d'ailleurs, ça a été suspendu avec ces propos-là, donc on ne pouvait plus avancer. Voilà. Et lorsqu'on entre donc dans l'interprétation, parce qu'il y a une sorte d'interprétation du discours, nous pouvons voir que dans l'Assemblée, il y a eu des gens qui ont manifesté, parce qu'il y a la communication non verbale et il y a une communication verbale. Et l'ensemble des députés ont donc manifesté non verbalement. Donc, il y a eu une sorte de ressenti. Donc, premièrement, comme a dit M. Youth, nous devons aussi essayer de voir, d'essayer de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas directement entrer dans l'action pour condamner. Mais comment comprendre, même si je disais tout à l'heure, comment comprendre des propos pareils en 2022? Un député de la nation a-t-il le droit, peu importe à qui il s'adresse, de créer une fraction entre les peuples? Voilà. L'approche de compréhension que je suis en train d'évoquer, c'est qu'on essaie de comprendre dans le cadre communicationnel. Certes que ça, il a eu à avoir peut-être quelque chose qui lui a échappé, mais on essaie donc de voir, on essaie donc de jauger, et c'est par là, donc, en menant donc des enquêtes,
que le Haut Commissariat pourra faire. On pourra donc essayer donc de voir dans quelle mesure à laquelle, mais certes déjà, l'Assemblée nationale française a déjà pris des décisions. Donc là, on ne pourra plus y revenir. Mais déjà, quand il y a un style de situation pareil, nous devons donc mener des enquêtes et nous devons donc essayer de voir, de faire des clarifications par rapport à ce style ou alors à ce type d'acte. Jean-Claude, vous avez parlé tout à l'heure d'évolution, sauf que si on s'en tient aux chiffres publiés par les services de police du côté de la France seulement, vous avez 12 500 infractions à caractère raciste et les mêmes chiffres ont progressé depuis le 11 mars 2022. Ça pose un sérieux problème de racisme en France et même dans d'autres communautés. Ça veut dire que c'est le mal les profonds. Ce qu'on a vu là, c'était juste une partie de ce que la peau noire, de façon générale, vit sur place, là-bas. Puisque ça a été dit même par le député qui représente le peuple de la France insoumise, Bilongo. Il est clair que tant que la situation économique et il y a la situation économique de la République française ne va pas s'améliorer. Et l'économie française qui traverse un certain nombre de crises liées au contexte international, tant que les revenus individuels des uns et des autres ne vont pas s'améliorer, les politiques françaises vont, pour exister, rentrer dans la phase dite de conservationnisme. Bon, en disant le racisme, la xénophobie. Et tout, parce qu'en réalité, il va falloir prôner une forme de souveraineté dite nationale, il va falloir prôner une forme de race pure, originelle, malgré que ce n'est pas forcément ce que le peuple vit au quotidien. Parce qu'en réalité, il n'existe pratiquement pas des quartiers, on va dire en France, qu'il n'y a que des Noirs. Comme par exemple dans un pays où on connaît l'apartheid, où il y a une ségrégation raciale. Ça n'existe pas en France. Sauf qu'à chaque moment, on vous renvoie à la couleur de votre peau. Même si on vous accepte, on tolère, mais à chaque moment, on vous renvoie à la couleur de votre peau. C'est gravissime, non? Oui, mais ce n'est même pas un problème seulement noir, au niveau des Noirs. Ils vont vous renvoyer à la couleur de peau des beurs, ils vont vous renvoyer à la couleur de peau des jaunes, ils vont vous renvoyer à la couleur de peau des Noirs. Ils vont vous renvoyer à la couleur de peau des Métis, qu'on ne sait pas à quel niveau ils sont situés. Et le problème ici, c'est lorsqu'ils parlent du problème d'immigration, parce que certains se sentent envahis. Ils ont l'impression. Ce n'est pas un problème juste des Noirs. Ils ont les problèmes des immigrés noirs, des Algériens qui sont nombreux. Des Arabes qui sont nombreux, ils ont posé des problèmes de ceux qui prient à la rue, c'est un problème. Ils ont des problèmes des Turcs, ils ont des problèmes d'imaginer des Syriens, ainsi de suite. Les Roumains qui sont les SDF et qui entretiennent un certain nombre de bidonvilles, parfois à Paris, ça les inquiète. Donc, ce qui voudrait dire que le problème. Il y a une image d'une France et il y a une réalité d'une France. L'image d'une France qui est un pays des droits de l'homme, qui est un pays qui défend la démocratie, qui est un pays qui défend les libertés individuelles, qui est un pays qui est prêt à défendre tout le reste des peuples du monde. Et il y a une réalité interne de ceux qui se sentent français, qui sont français, mais qui se sentent menacés de par l'arrivée des autres peuples immigrés. Mais ici, il y a aussi l'affirmation des peuples de couleur ou bien de races différentes qui doivent prendre conscience qu'ils sont de races aussi supérieures et qu'ils n'ont aucun complexe à pouvoir développer vis-à-vis de ceux qui se disent être supérieurs. Donc, c'est un problème de paradigme également. C'est un problème d'affirmation. C'est un problème de confiance. Vous avez vu, par exemple, le député noir qui a été victime... Bilongo. Oui, Bilongo. Lui, il a poursuivi. Mais, en réalité... Il est descendu dans la rue vendredi avec des populations qui l'ont suffisamment acclamé. Il a été fortement applaudi. Et puis, il a réitéré qu'on n'a pas besoin de rappeler à chaque fois sa couleur noire
que ce soit pour lui en tant que député ou pour les autres. C'est vrai. C'est à peu près comme ici, parfois, lorsque on disait, on rappelait à quelqu'un, par exemple, qu'il est Bassa, ou bien qu'il est Bamoun, ou bien qu'il est ceci. À un moment donné, ça commençait à devenir comme si c'était un élément de ségrégation, de division. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a eu à relever ce genre de point. Que, attention, lorsque vous insistez dans tel type de mots, ces usages-là vont nous amener à des éléments de division. D'accord. Et c'est ce qui arrive. Lorsque vous êtes en train de rappeler à quelqu'un, négro, africain, pourquoi vous avez besoin de ça? Il a un nom. Petit noir. Il a un nom, d'accord. Tout simplement. Vous l'appelez par son nom et vous voyez tout simplement cet être humain qui se comporte et qui a des valeurs. D'accord. Et qui a même eu à connaître le même système éducatif des autres. C'est compris, Jean-Claude. Justement, vous parlez de conservation, sauf que après ces propos racistes-là, il y a une vague d'indignation sur le terrain, que ça soit en France, ici même au Cameroun, un peu partout. André-Marie, il y a aussi, si on c'était vraiment la conservation, c'est que le chef de l'État de France n'allait pas faire cette sortie en signalant qu'on n'a pas besoin de cela. C'est intolérable. Il y a la Première ministre Elisabeth Borne qui a également fait une sortie pour dire que le racisme n'a pas sa place dans une véritable démocratie. Naturellement, on rien à voir avec il faut conserver X, il faut conserver Y. Sinon, ces deux personnalités ne seraient pas sorties. Sur le plan de la politique intérieure et même de la diplomatie, je crois que ce sont des sorties qui étaient attendues. Parce que l'Europe aujourd'hui doit tout faire pour, n'est-ce pas, éviter ce type de scandale. On se souvient, en 2019, la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France avait commis un rapport où, n'est-ce pas, il parlait effectivement de ce que les Africains vivaient là-bas en termes de discrimination raciale. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Et je pense que... On a vu Samuel Eto'o, voilà, on a vu Yannick Noah, on a vu d'autres. Nous avons régulièrement vu, n'est-ce pas, au niveau sportif, des incidents survenus dans les stades et autres. Des singes, voilà. On appelle des noirs, des singes, balancer des bananes. Nous savons que ce n'est pas nouveau. Et je pense que, comme je le disais tantôt, il est temps aujourd'hui, n'est-ce pas, que... en Europe, surtout les dirigeants européens essayent d'encadrer au maximum, n'est-ce pas, à travers des textes, de pouvoir sanctionner, comme on l'a fait avec le député de France, pour que les autres, n'est-ce pas, comprennent que la donne a changé et que désormais, n'est-ce pas, de tels dérapages ne seront pas tolérés. D'accord. Parce que je vous ai soulevé un petit pan tout à l'heure. On est à la veille de la World Cup. À quelques semaines. Et il ne faut pas frustrer les Africains qui sont dans l'équipe. Pas seulement les Africains, les Arabes aussi. Les Arabes. Non, quand je dis les Africains, je commence par ça de façon globale. Tous ces immigrés-là, on a les Arabes, on a ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans leur ADN français et qui sont dans l'équipe de France risqueraient de prendre un coup. Donc il faut éviter cela au maximum. Je pense que c'est pour cela que vous voyez toutes ces sorties qui viennent à point nommé. Quoi. Et lui, il a écrit justement sur cette affaire de la France, la peau noire, je suis noire, je mange pas le manioc. Gaston Kelman, est-ce qu'il est déjà positionné, Colin Souanchouan? On peut lui poser la question, la France est-elle véritablement raciste au regard de ce qui s'est passé il y a quelques jours? La France n'est pas raciste. Je l'ai écrit non pas dans un article ou je ne l'ai pas non plus dit dans une interview. J'ai écrit un livre tout entier pour le prouver. La France n'est pas raciste, mais l'élite française est schizophrène. L'élite française est schizophrène, c'est pour cela qu'elle a tué le roi, parce que chacun aujourd'hui veut jouer un peu le rôle du roi. Et la France n'est pas raciste. J'ai quelques éléments qui peuvent le démontrer. En tout cas, c'est la nation la moins raciste des l'hémisphère occidental. Le mariage mixte en France ne pose problème à personne. Alors que la mixité conjugale est la frontière de toutes les racines, de tous les racismes, et même des sociétés à caste. Tu peux être tout ce que tu veux, mais nous ne nous mélangeons pas parce qu'on n'est pas pareil. Tu n'es pas comme moi. Il y a aussi le fait qu'en France, on habite là où on peut, là où on, selon ses moyens.
rien, il n'y a pas de ségrégation spatiale. Donc ces éléments-là démontrent quand même que la France n'est pas un peuple raciste. Et je me souviens aussi que pendant la Révolution française, beaucoup de communes françaises ont combattu l'esclavage dans leur cahier de doléances. Ils ont demandé au roi, « Messire roi, nous avons appris qu'il y a nos frères noirs qui seraient esclaves dans les colonies. De grâce, libère les faisant de bons citoyens et de bons chrétiens, parce que les générations futures auraient honte de nous si elles se rendent compte, si elles apprennent que nous avons mangé du pain arrosé par le sang de nos frères noirs. » Voilà dans cette société française-là. Mais l'élite française, justement, les schizophrènes, et à la même période où le peuple français combattait l'esclavage dans les colonies, toute l'intelligentsia française s'évertuait à prouver que le noir n'était pas un être humain, en tout cas n'était pas l'égal du blanc. Et c'est cette société-là qui, percluse de cette espèce de course vers les privilèges, rend certaines personnes subalternes, parce qu'elle veut justement avoir des privilèges innés. Et je pense que c'est sur le fondement de ces privilèges innés que la France, premièrement, importe toujours une main-d'œuvre étrangère subalterne. Les Espagnols étaient subalternes, les Italiens, les Polonais, les Portugais, c'était pas des Noirs. Et quand le moment des Noirs est venu, c'est pas le critère racial qui a guidé, mais c'est les Noirs et les Arabes, c'est le critère qu'il fallait apporter au petit peuple français sa part de privilèges pour qu'elle ne revendique pas des privilèges supérieurs. Mais justement, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la jeunesse issue de l'immigration est en train de casser cette espèce de logique de privilège inné. Ce qui fait que quand vous allez demander du travail, on vous dit, si vous êtes à Neuilly-sur-Marne, vous ne valez pas quelqu'un qui est sur Neuilly-sur-Seine, alors ne mettez pas votre lieu de résidence sur votre CV. Ce n'est plus seulement le profil, ce n'est plus seulement le nom, mais c'est même le lieu de résidence qui prouve que vous pouvez être blanc, jaune, vert ou rouge. Si vous venez de Neuilly-sur-Marne, vous ne valez pas quelqu'un qui vient de Neuilly-sur-Seine. Et justement, c'est la population issue de l'immigration qui est en train de combattre ces privilèges innés, puisqu'ils vous diront aussi qu'il faut 6 générations pour sortir de la misère, alors qu'à la population issue de l'immigration, il a suffi d'une génération pour qu'un enfant de travailleur et je veux dire d'ouvrier spécialisé devienne cadre supérieur, devienne médecin, devienne avocat, devienne ingénieur, alors que chez les Blancs, ça ne se conçoit pas. Et quand dans les espaces de cooptation, là, ils veulent maintenir leurs privilèges et prouver que c'est eux qui sont Dieu sur terre. C'est là qu'ils vous diront, nous allons donner une place, nous allons permettre aux Noirs d'avoir un député. Nous allons permettre aux Noirs d'avoir un journaliste. Le Noir n'a pas besoin de députés, pas plus que le Chinois n'a besoin de députés, pas plus que l'Arabe n'a besoin d'un député ou d'un journaliste. Le jour où ils pourront atteindre cette profession, ils le feront. Ce que l'enfant veut, c'est ressembler à son instituteur, à son professeur, voilà ses modèles, à son médecin, au médecin de famille, voilà ses modèles. Et c'est cette classe moyenne-là qui commande le modèle français. Et c'est cette classe moyenne que la jeunesse issue de l'immigration investit aujourd'hui avec une puissance tout simplement inégalée jusqu'à ce jour. Et c'est ça qui compte. Le problème du noir, par contre, vient aussi beaucoup du misérabilisme qu'on a collé à l'Afrique. L'élite française est venue en Afrique, a dominé l'Afrique, a créé l'aliénation, a créé toute cette infériorisation de la race noire qui fait que c'est cette infériorisation aujourd'hui c'est cette infériorisation qui semble être le modèle du noir en France. Et c'est en cela que, parce qu'on regarde l'Africain d'une certaine manière, on assimile le noir de France à ce même modèle. Mais même là, petit à petit, et c'est ce qui permet parfois les discours que vous entendez, certains hommes d'État prononcer auprès de l'Afrique ou bien en Afrique, vous êtes hypocrite, vous faites ceci, cela, on a un territoire presque conquis. Et c'est cette jeunesse aussi de l'immigration qui va aussi permettre de transformer cette image-là. Et c'est cette jeunesse aussi de l'Afrique qui va permettre de transformer cette image-là. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. La jeunesse se vend debout contre ce regard torve, ce regard imbécile. D'ailleurs, il faut utiliser les bons mots. Et voilà comment que les choses évoluent énormément. Mais au fondement, la France n'est pas raciste, mais son élite est vraiment schizophrène.
pour sauvegarder ses privilèges, est-ce capable de tout envers le petit peuple français et après envers les immigrés? Merci beaucoup Gaston Kelman pour cette première réaction en direct de Yaoundé. Alors Jacques-Edouard, vous avez suivi, la France n'a pas de problème, mais son élite est schizophrène, si je dois utiliser l'expression de Gaston Kelman. Oui, justement, et par vous êtes là, d'accord? Oui, et par là, nous devons passer par une déconstruction de certains archétypes, notamment le complexe de supériorité. Le complexe d'infériorité, qui est supérieur, qui est inférieur, et aussi le concept de racialité, hein, le concept d'ethnicité, c'est quoi la race? Il n'y a pas de race, parce que si on voit un individu, qu'on considère qu'un noir, est-ce que chez le noir, le sang qui coule dans ses veines, il est vert? Est-ce qu'il a trois pieds? Donc nous tous, nous avons, physiologiquement parlant, nous sommes égaux. Intellectuellement parlant, nous sommes égaux. Intrinsèquement parlant, nous sommes égaux. Donc je ne vois pas une certaine discrimination, je ne vois pas une certaine distinction. Et par là, donc, on propose donc aux gouvernants une bonne éducation. Donc, pourquoi? Parce que déjà dans les ménages, dans les écoles, on doit installer ou alors instaurer donc, ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Donc l'éducation morale, l'éducation civique. Hein, le vivre ensemble, les valeurs telles que le vivre ensemble, les valeurs telles que la cohésion sociale. Je pense que lorsque les enfants comprendront que celui qui est différent de moi, comme nous dit Antoine de Saint-Exupéry, oui. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc si tu es différent, et il faudrait que la différence fasse pour toi ou alors fasse de nous une richesse. Oui. Et là, par là, le blanc... Entre guillemets, pourquoi? Parce que moi, je ne considère pas qu'il y a blanc, il y a noir, il y a vert, il y a jaune. Non, nous sommes tous des êtres humains. Sauf qu'il y a des réalités sur le terrain. Aujourd'hui, même l'Africain pense qu'il est inférieur au blanc et que seul le blanc a la capacité de réflexion. Voilà, c'est donc pour cela que je parle d'une déconstruction des complexes. D'accord. Alors Jean-Claude, comment faire pour que l'Africain aussi se sente humain? Parce que Gaston l'a dit tout à l'heure, il y a cette aliénation-là, il y a ce complexe-là, il y a que le noir lui-même considère qu'il est inférieur au blanc. Du coup, on peut le traiter comme on veut? Non, déjà la première aberration, c'est d'imaginer que vous attendez la reconnaissance de l'autre, de ce que vous deviez être. C'est là où le problème part. Donc, c'est-à-dire, ce que vous êtes, vous deviez juste prendre conscience de l'être que vous êtes. Aux autres, de pouvoir comprendre et d'adhérer. Mais si vous œuvrez toute votre vie pour avoir la reconnaissance de la part de l'autre, à partir de ce moment, vous considérez que c'est lui qui a tout simplement l'échelle d'évaluation et de compréhension de qui est supérieur et de qui ne l'est pas. Le problème ici... c'est la prise de conscience de nos valeurs. Lorsque vous imaginez qu'une société ne peut qu'être moderne et civilisée, si vous êtes en train de faire des pas et des progrès dans le sens de la civilisation occidentale, à partir de ce moment-là, c'est ceux qui continuent à faire évoluer et à changer le paradigme et les critères d'évaluation et de considération de la civilisation occidentale vont vous dire que oui, vous avez fourni des efforts, mais nous sommes à ce niveau-ci. Je vous prends un exemple. Autrefois, on vous disait que le pauvre était celui qui vivait avec moins d'un dollar. Mais comme le niveau de vie et les conditions de vie se sont améliorées, le pauvre, ce n'est plus de 1 dollar, c'est 2, c'est 4 dollars aujourd'hui. Hein? Et ensuite, on vous dit maintenant que vous devez tendre à un niveau de revenu par jour du Suisse à 90 dollars. Est-ce que nous avons les mêmes problèmes? Est-ce que le macabo coûte de la même façon? Donc, qui relève de notre mode alimentaire. Mais là, vous allez voir par exemple que c'est par rapport au croissant. Ou au caviar. Donc, à partir de ce moment, nous sommes en train de vouloir nous référer à ces civilisations. Cessons d'imaginer d'attendre une reconnaissance de l'autre. Affirmons-nous, révélons-nous, démontrons que c'est nous qui avons compris. Et je vais vous rappeler que la civilisation africaine était bien avancée.
Lorsqu'on nous disait déjà que l'empire égyptien était la première puissance mondiale, mais qu'est-ce qu'on n'allait pas découvrir là-bas? Toute la civilisation occidentale est allée d'abord s'enquérir de ce qu'est la technicité, la complexité des pyramides égyptiennes. Et quand on parle de cette ancienne Égypte, ce n'est pas que l'Égypte actuelle. Donc, c'est pour vous dire que la première université, par exemple, africaine, l'université de Tombouctou, elle avait quoi à envier à Oxford, à Harvard. Mais comme on est entré dans un paradigme d'une orientation, d'une civilisation dite occidentale, on vous dit que ce qu'il y a à Tombouctou n'a pas le niveau. Et que vous êtes donc obligé de chercher à construire des universités, à mettre sur pied des programmes au sens d'Harvard, d'Oxford, de Sorbonne. Mais justement, André, comment comprendre, donc, comment s'affirmer dans un pays ou bien dans un environnement où le noir est misérable? On a parlé tout à l'heure d'aliénation, on peut utiliser l'expression... Il est dit misérable. Donc comment comprendre, comment véritablement trouver son identité dans un contexte pareil? Non, il faut déjà dire qu'il nous revient. Puisqu'on nous a cloués dans la misère, oui. On souffre, et chacun a envie d'aller en Europe pour pouvoir être quelqu'un. Effectivement, la base de tout part de notre éducation. L'éducation héritée de la colonisation. Mm. Parce qu'on nous a laissé croire que la peau blanche est supérieure. L'alpha et l'oméga de toutes les connaissances, de toute l'intelligentsia du monde. Aujourd'hui, il est plus facile d'attendre que quelqu'un va envoyer son enfant fréquenter dans une université en France, en Allemagne, ainsi de suite, alors qu'au Cameroun, nous avons des universités qui forment et qui ont même formé de grands dirigeants des pays africains et qui sont aujourd'hui en train de mettre à la disposition des pays occidentaux leur expérience et leurs compétences. Donc tout part de là. Est-ce que nous reconnaissons nous-mêmes nos propres valeurs? À partir de cet instant, si nous reconnaissons nos propres valeurs, nous pouvons à partir de cet instant, influencer l'Occident. Donc, comme disait M. Youth, ce n'est pas à l'Occident de proclamer que l'Africain est une compétence, l'Africain est une valeur. C'est à nous de nous imposer. Le député de la France soumise n'aurait pas trouvé le mot juste pour réagir farouchement à ce monsieur? Oui, ils sont allés en Afrique, mais il aurait pu trouver une réponse adéquate à cette sortie-là pour s'affirmer. Au lieu pour certains de venir faire des rassemblements, crier, se plaindre, comme ça a été le cas. Non, il a juste sorti le fond de sa pensée, moi je pense. Il a juste sorti le fond de sa pensée, et comme je le disais tantôt, il est porte-parole d'un courant de pensée. Faut pas l'oublier. Il est porte-parole d'un courant de pensée, et il a tout simplement exprimé ce qui se dit, n'est-ce pas, dans leur milieu politique. Alors, pour revenir mon argumentaire. Qu'est-ce qu'on parlait de l'Asie hier? Comment est-ce qu'on qualifiait l'Asie hier? On qualifiait l'Asie de ce géant au pied d'argile. Ouais. Personne ne voyait l'Asie venir. L'Asie n'a pas attendu l'Occident pour s'imposer aujourd'hui dans le monde entier. Il n'y a que la mise, n'est-ce pas, en valeur de nos compétences, de ce que nous savons, de notre know-how pour nous imposer sur la scène mondiale ou alors occidentale pour que cela cesse de croire que nous sommes des êtres inférieurs. Aujourd'hui, le président Samuel Eto'o, partout où il arrive, c'est le red carpet. C'est le red carpet. Il n'est pas passé dans les écoles de formation en Europe. On rappelle tout le temps la couleur de sa peau. Des interviews dessus. Même si on commence à dire c'est un singe, il s'impose de par ce qu'il est. Et le monde s'aligne. Aujourd'hui, on va vous parler des grands footballeurs qui ont marqué l'histoire de la France. Il y a combien de Français là-dedans? Ils sont très peu. Très peu, français de souche, très peu. La race pure. Alors, donc, il suffit pour nous aujourd'hui, nous les Africains, de prendre conscience que nous avons quelque chose, nous avons un capital, nous avons un potentiel énorme que nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en valeur et nous imposer sur l'échiquier international. Et ça va marcher. Ne nous attendons pas à ce qu'un matin, que dans un discours du président français, qu'on dise que non, les Africains doivent désormais être ci ou ça. Non. C'est à nous, aujourd'hui, de comprendre que non, les temps ont évolué et que la donne n'est plus la même qu'hier. Mais Jacques, on a servi quand même l'or entre les mains de ces Blancs pour nous qualifier comme ils veulent aujourd'hui, parce qu'on vous parle d'une situation des immigrés, c'est-à-dire que vous avez des Africains et autres
qui ont pour Eldorado la France. Ça devient un problème sérieux. Donc, du coup, ils ont le droit de vous traiter comme des singes, comme des cochons, peu importe. Vous supportez seulement parce que c'est vous qui venez vers eux. Si vous étiez resté chez vous avec votre politique chez vous, on ne serait pas en train de trouver un député qui vous dit ben, « restez chez vous en Afrique ». Voilà. Il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la liberté de se mouvoir sur le territoire national et international. Donc, mais là, on parle d'immigrer, on parle d'immigration. Oui. Le terme est particulier. Oui, il y a des politiques qui le permettent. Parce que pour aller, par exemple, en France, il te faut une autorisation, il te faut un visa. Donc tous ceux qui sont là-bas, au moins, nous pensons qu'ils ont des visas, ils ont des autorisations. Ceux qui viennent par mer, et qui prennent des risques sous les eaux. Et maintenant, ce que nous recommandons aux Africains, ce que nous recommandons à ceux qu'on considère que noirs, de faire un retour aux sources, un retour à nos cultures endogènes et un retour à la culture des valeurs. Parce que en tant qu'Africains, nous avons des valeurs que nous devons préserver, notamment la solidarité, le vivre ensemble. Vous voyez, dans nos villages ou alors dans nos maisons endogènes, lorsque quelqu'un avait quelque chose, lorsque quelqu'un avait un présent, il partageait. C'était au service de tout le monde. Il y a une c'est plus pareil. Il y a aujourd'hui, pour peu que je sois Banganté, on ne m'accepte pas dans la famille Bassa. Pour peu que je sois Bassa, ce n'est pas facile de m'accepter. D'où l'appel au vivre ensemble, parce qu'il y a un problème critique. Le vivre ensemble, il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Wondo, il n'y a pas de Nordiste, Gadamayo, Nkwa. Il n'y a pas ça. Nous sommes tous un. Et il faudrait donc que ce vivre ensemble puisse aussi toucher les sphères internationales. Et pourquoi ne même pas ouvrir les frontières? On n'aura plus de clivage entre, pour aller peut-être en France, on permettra, mais avec un certain contrôle. Donc, je dis qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un retour en soi. Et je pense que le retour aux sources, c'est le retour en soi-même, une introspection, afin de pouvoir, comme on dit toujours, pour pouvoir sauter, il faut bien prendre les liens. André, est-ce que ce n'est pas aussi le travail des chefs d'État de pouvoir coordonner les actions pour que l'homme noir, de façon avec grand H, se retrouve en train de se sentir comme un être important, peu importe l'eau qui le contient? Non, naturellement, c'est pour ça que j'ai parlé à la base de l'éducation. Parce que l'éducation relève, n'est-ce pas, du domaine de l'État, des responsabilités. On n'a pas vu des sorties de France, des hommes d'État africains, lorsque les Africains sont maltraités, traités de noirs, de singes et tout. On n'a pas vu une réaction forte de la communauté des chefs d'État africains, par exemple, pour dire non, on a besoin. Vous savez, la diplomatie est très, très délicate. Elle est très délicate et le plus souvent même, ce qui s'est dit en off ne se retrouve pas dans nos... Dans nos chaumières. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons des représentations diplomatiques du côté de la France et autres, certainement. Je crois qu'il y a eu quand même des réactions, même si ce n'est pas officiel, de la part de nos autorités là-bas. J'ose bien le croire, hein, je le dis. Maintenant, revenant sur nos gouvernants, je pense qu'ils ont effectivement une lourde responsabilité de protéger, n'est-ce pas, notre image par rapport à la situation de l'identité africaine. Je le dis toujours, qu'est-ce que nous vendons aujourd'hui à l'Occident en termes de culture? Il faut chercher à savoir, parce que si nous n'avons plus de repères culturels aujourd'hui, que valons-nous? Nous ne valons absolument rien devant les autres. Il faut partir de la base aujourd'hui et savoir que l'Africain a une identité. Et c'est cette identité qui doit faire de lui quelqu'un de respecté et de respectable dans le monde entier. Si nous voulons aujourd'hui, ou alors nous rendre plus occidentaux que les occidentaux eux-mêmes, nous n'aurons plus de repères. Donc il est temps qu'on revienne, comme il l'a dit, on revienne aux sources et qu'on reprenne, n'est-ce pas, nos valeurs, qu'on les encadre et que ces valeurs culturelles fassent de nous des icônes du monde de demain. D'accord. Parce que ça ne sert à rien qu'on nous parle de village planétaire alors qu'au fond, il y a la discrimination. On continue à vivre cette discrimination-là. Jean-Claude, qu'il retourne en Afrique. Les mêmes personnes qui utilisent des expressions pareilles sont les mêmes personnes qui viennent nous piller au pays, en Afrique. Oui, qui viennent s'enrichir, créer des fortunes et retourner chez eux. Et c'est même là où c'est encore intéressant.
Lorsque vous faites le chemin de quitter l'Afrique vers l'Europe, on vous appelle immigré. Mm-hmm. Mais lorsque vous quittez l'Europe vers l'Afrique, on vous appelle expatrié. Mm-hmm. Pourtant, en réalité, c'est l'immigration. On va vous dire, on a élu les députés, les sénateurs, les Français à l'étranger, mais on ne dira pas les Français immigrés à l'étranger. Ils vont trouver d'autres mots. Donc, c'est pour vous dire qu'ils arrivent quand même à trouver d'autres mots. Et vous aussi, vous êtes en train de les considérer comme les expatriés. Pourtant, ils sont les immigrés de chez vous, soumis aux règles d'immigration. Carte de séjour, besoin de visa, et tout et tout. Je me souviens d'une petite anecdote. Nous étions en plein Covid, ici au Cameroun. Comme tout le monde entier était en situation de Covid. Contrôle, mesure barrière à l'aéroport de Douala. Mon Dieu, mon Dieu. Tout le monde qui descend de l'avion passe au contrôle, test PCR, ainsi de suite. Mais j'ai suivi un Français s'exclamer, mais je suis en Afrique ou bien je suis en Europe? On a dit, mais monsieur, c'est pas parce que vous êtes bel et bien à Douala, au Cameroun, c'est pas un et voilà la procédure sur le plan sanitaire. Il a dit, même à Roissy Charles de Gaulle, je tombe de nu, c'est pas aussi drastique comme à Douala. Vous voyez son étonnement, parce qu'en fait, il est venu avec certaines idées. C'est un complexe, là, de supériorité. Certains feront des complexes d'infériorité. Mais c'est des exemples patents. Mais nous, au Cameroun, on n'a pas eu besoin de taper, de sonner des cloches pour pouvoir nous affirmer à partir d'un certain nombre d'éléments. D'accord. Et nous continuons à le faire. Si on nous dit, qui rentre en Afrique, je vous prends un exemple. Ils nous ont tellement vissé et fermé les frontières au point où ils constatent qu'un certain nombre de métiers aujourd'hui ne s'exercent plus facilement. Le président Nicolas Sarkozy a parlé à l'époque de l'immigration choisie. Ils sont en train de vouloir chercher d'autres noms parce qu'en réalité, il les manque les plombiers, il les manque les infirmiers, il les manque les éboueurs. Ils vont faire comment? Et ils ont besoin de l'immigration. Une société ne peut pas se construire sans l'immigration. Parce qu'en réalité, malgré le savoir-faire, vous avez besoin du savoir-être également des êtres humains. D'accord. Et le savoir-être des êtres humains est parfois, par rapport à la morphologie, par rapport à la manière dont ils sont bâtis, il existe des métiers que la peau blanche ne peut pas supporter facilement et que c'est la peau noire qui peut. Pourquoi vous ne vous posez pas la question au niveau, par exemple, de l'athlétisme et du sprint que, curieusement, tous ceux qui font le 100 mètres, même lorsqu'ils le ont, ils sont sous la bannière européenne et tout, ils sont de peau noire. D'accord. C'est parce qu'en réalité, c'est un problème de morphologie. Pourquoi vous ne vous étonnez pas qu'au niveau des Jeux olympiques d'hiver, vous ne voyez pas les Noirs se bousculer? On ne supporte pas le froid. C'est ainsi. Alors, lorsqu'on a pris donc conscience de qui nous sommes, de nos valeurs, de savoir nos forces et nos faiblesses, nous sommes à même de pouvoir nous affirmer, de dire, vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous, et nous allons vous considérer tel que vous allez nous considérer, nous ne venons même plus chez vous, quand en réalité nos pays regorgent d'énormes potentialités. La seule chose qu'on demande à nos concitoyens, les efforts qu'ils fournissent pour pouvoir aller à l'immigration, s'ils fournissent 10% seulement des mêmes efforts ici, quelqu'un est prêt par exemple à aller à l'immigration avec 5 millions, mais il n'est pas prêt à mettre 2 millions pour faire une petite PME au Cameroun. C'est compris, Jean-Claude, on va faire le dernier tour de table puisque le temps passe tellement vite pour trouver des pistes de solutions. Alors je commence par vous, Jacques-Édouard, comment faire finalement pour que les actes racistes, parce qu'il y a actes racistes, actes anti-religieux, pour que les chiffres soient en baisse, parce qu'actuellement, les chiffres sont en hausse. On a évoqué ça tout à l'heure. Comment véritablement faire, parce que c'est un problème sérieux. Voilà, nous avons parlé ici de l'éducation au niveau des écoles. Donc, déjà, la première cellule de base qui est la famille, dont les parents déjà doivent déjà commencer à éduquer les enfants, à éviter certains propos, dont certains propos anti, dont mentionner peut-être tel de, il est de couleur ou ceci. Non, on doit éviter, on doit faire l'effort d'éviter cela. Et aussi, au niveau maintenant des institutions éducatives, donc on doit mettre des programmes dans des écoles, dans des universités qui permettront à
éviter cela. Donc même si c'est que on présente cela, on doit présenter l'homme global et non l'homme individu ou alors l'homme africain, l'homme noir, l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge. Non, nous sommes tous des hommes, et nous sommes tous égaux. D'accord. Alors, André-Marie, comment faire aujourd'hui pour que l'Africain puisse avoir confiance en lui et éviter de se sentir inférieur à la peau blanche? Non, qu'il comprenne d'abord que sa couleur n'est pas un handicap sur le plan de la réussite. Sa couleur ne sera jamais un handicap, mais c'est ce qu'il a dans sa tête qui est une force pour lui. Parce que lorsque nous regardons, par exemple, au Cameroun, nous avons les écoles Dominique Savio, Fustel et tout ça, il y a un mélange noir-blanc. Ok, et les enfants qui sortent de là n'ont aucun complexe par rapport aux blancs. Le plus souvent même, ils sortent les meilleurs. Quand il y a quand même eu des cas voilà. où des enfants ont tenu des propos. Le plus souvent même, les nôtres sont les meilleurs dans ces établissements. Allez regarder les statistiques. Mm-hmm. Donc à partir du moment où un enfant peut déjà s'imaginer que maintenant, je peux exceller dans un domaine où le blanc ne comprend absolument rien, je crois que ça pourra, n'est-ce pas, le décomplexer de cette idée-là. Et puis nos gouvernants aussi devraient amener de plus en plus les jeunes à travers certaines politiques de sensibilisation et tout ça, à comprendre que l'Europe n'est pas un paradis. L'Europe n'est pas un paradis. Comme disait M. Youth, un jeune peut facilement trouver une vie meilleure au Cameroun qu'en pensant qu'en Europe, il y a une caisse de solidarité qui n'attend que les Africains pour venir puiser de l'argent et rentrer en Afrique. Ça n'existe nulle part. D'accord. Jean-Claude, il faut travailler sur le misérabilisme noir, l'aliénation du noir. Comme l'a mentionné tout à l'heure, ce sera un travail de fond qui va booster le mindset. Il faut travailler sur la prise de conscience de l'homme de valeur et de l'homme supérieur qu'est le noir. C'est-à-dire, je vous rappelle un exemple. On peut dépigmenter la peau noire pour avoir la peau blanche. Ça veut dire que la peau blanche existe déjà en le noir. Mais on ne peut pas transformer la peau blanche en une peau noire. Lorsque le noir, lui, il est capable de vivre toutes les saisons et de pouvoir s'adapter, parce qu'en réalité, lorsqu'il est au niveau du soleil, il ne cherche pas des crèmes. Par contre, les autres sont exposés, là, ils ont des problèmes. Lorsque le noir est là où il fait très froid, il va commencer à avoir des poussées de poils sur la peau, pour pouvoir être capable de résister. Ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, vous voyez que si nous regardons et que le noir a pris conscience de l'être qu'il est, il va constater qu'en réalité, pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ça voudrait dire que c'est le noir qui était à la base. Alors, donc, dès qu'il prend conscience qu'il est en réalité l'être qui n'a besoin de rien du tout, il a juste besoin de prendre conscience de qui il est, il va s'auto-affirmer. D'accord. Ça, c'est de un. Et maintenant, en ce qui concerne les problèmes de division, de séparation sur le plan racial, il y a le volet, l'approche politique qui est par rapport à une certaine gouvernance sur le plan territorial et où les politiques, parce que la situation peut être difficile, ils auront besoin de pouvoir remanier un certain nombre de politiques et qui ne tentent même pas à les servir. Mais les Noirs qui y vont doivent savoir qu'ils doivent aller au-delà des mots. Merci et des bien, c'est compris. Alors il y a une question pour vous, Jacques-Édouard. Ça nous vient d'un certain Cyril Vondo, président de Citizen Service Corp de Cologne en Allemagne, qui demande justement qu'est-ce que vous faites pour au niveau du Haut Commissariat pour limiter les inégalités, en quelques mots. Voilà, on essaye donc d'accompagner les populations. Il faudrait d'abord qu'on répertorie ceux qui sont victimes. Et par là, il y a donc des approches d'accompagnement qui, une fois qu'on aura, on a donc les tenants, les aboutissants, les différents éléments et on confie donc ça aux autorités compétentes, notamment. Vous avez eu des cas sur le racisme? Bon, ici, on a plus des cas sur les divisions, les problèmes ethniques. D'accord. Mais puisque nous sommes au niveau du Cameroun, et on traite par exemple les problèmes qui sont au niveau de notre circonscription administrative. D'accord. Jean-Claude Youth, fils, merci d'avoir accepté cette invitation. On va poursuivre les échanges sur notre page Facebook. André-Marie Biboum, président de l'association Afrique sans sens. C'est quoi votre actualité? Alors, l'Afrique sans sens, En quelques mots, c'est, n'est-ce pas, cette association qui est née pour essayer de sensibiliser les jeunes Africains sur les réalités de la démocratie.
et du multipartisme dans les pays africains. C'est-à-dire qu'on peut s'affronter sur le plan des idéologies et non s'affronter physiquement. Ça va être des sauvages. Voilà. D'accord. Alors, Jacques-Édouard Bono-Okogo, inspecteur chargé des affaires sanitaires du Haut Commissariat de défense des droits de l'homme à l'échelle internationale, ça a été un plaisir de vous avoir. Et merci en direct de Yaoundé à Gaston Kelman, écrivain qui a participé à ce débat du jour. Tous, nous sommes un sur cette terre, peu importe la couleur de la peau. Un grand rendez-vous à ne pas manquer en exclusivité sur Canal 2 International tout à l'heure. À 21h, ne zappez surtout pas, Samuel Etofis parle en exclusivité. Il sera face à Rodrigue Tonguin pour un très bel échange. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions puisque l'émission sera en direct. Toutes les équipes sont déjà mobilisées sous la coordination du directeur général Joseph Fautso pour vous permettre de vivre un grand moment de télévision, une exclusivité puisque nous sommes à l'échelle internationale. Ce sera également en direct sur notre page Facebook et on attend des millions et des millions de téléspectateurs ce jour. La télé s'arrête à 21h sur Canal 2 International. Tout à l'heure, c'est le 19h50 avec Alain Ghislain Kanga pour le grand format du journal. Je vous reviens certainement jeudi avec une autre thématique parce que demain, c'est une belle dame, Janice Kamga, en direct de Yaoundé, qui sera là pour le débrief de l'actualité. Bonsoir à tous.